Ouais. Ah putain. C'est parti. Yes. Hello. Mrs. Patterson. Oh. Putain, retour Windows de merde. Allez. See. Come in, won't you? Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time. Ça va? I have someone here. I beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Qu'est-ce qu'il fait, le petit bâtard? Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. Tranquille, je viens de me réveiller. J'ai une petite sieste de 2 heures, 3 heures. What's your relationship with Mrs. Patterson? Papa, putain. Friends, good friends. You expect me to believe that? C'est ça. Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Oh, no. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. C'est parti. Oh, comme ça, c'est que là. We were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Ah, c'est l'affaire du gars qui s'est fait rouler dessus, il me semble. Ouais, tout à fait, tout à fait. How did the car come to hit? C'est ça. He walked straight into the path of an oncoming car. Je sais même pas ce qu'il a dit. On va mettre doute. Oh merde, il y a pas zéro doute. You expect me to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. Kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. The bartender said that you and Leroy were. Ah, j'ai fait un petit live cet après-midi. J'avais continué la mission tout à l'heure. Je me suis arrêté là. A little money saved away. Sabo has no money. This place can't be worth much. Where is the money coming from? My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. Ah. Mr. Sabo, have an interesting day. I'm sure we will, officer. C'est clair. Je me suis trompé à la fin. Je crois qu'il fallait mettre mensonge et montrer
Le truc de vie là, l'assurance vie. J'aurais dû faire ça. Mais je me suis trompé, wesh. Il est où le téléphone? Là. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Normal, c'est le gars de téléphone. Téléphone chez les gens, c'est normal. Yomen. How can I help, detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Il s'est fait poignarder. Eh, crevard, mets pas tes pieds sur le mur. You can drive. And where exactly are we going? Central. Hop, c'est parti. Salut. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Two puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Sinon, t'as passé une bonne journée? Je sais pas si t'es à l'école ou si tu travailles. The cop they've been talking about on the radio. Want another accommodation? You drive. You go over the case notes. Fine. Where are we headed? On va faire Pattinson. Avant de les arrêter. Ça en aura tout fait. Voilà, on sera tranquille. Et Wizbot, il se réveille. He spoke to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. Bah, je travaille ce matin. Where is Leroy now? Comme tous les jours de la semaine. He's in the bedroom. Et puis après, c'est une journée tranquille, quoi. C'est que tu fais rien, tu travailles, t'es en cours ou quoi, je sais pas. Don't stand a chance in front of the grand jury. I see you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up. Bases covered, baby. I have nothing to do you with it. You think I'm gonna fry for you, He's Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake. T'es mort. Too late, Sabo. Oh. Sabo, stop or I will shoot. Ah, tu fais rien du tout? Ah, après, hein, c'est la vie, ça. Hein. Et de nos jours, trouver un boulot, c'est assez galère. Hein. Moi, j'ai galéré un peu. Je suis resté un mois au chômage avant de retrouver quelque chose. Je fais un apprentissage après.
Après, je sais pas dans quelle région t'es, mais. Come on, Flatfoot, let's negotiate. Put the weapon down now. Down now. Help me. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Ah ouais, région centre. T'es chez les ch'tis? Son? Attends, non. Chez les ch'tis, je crois. Bringing back fraud, conspiracy, and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. J'ai pas interrogé l'autre, c'est meilleur. I like that. Keep up the good work. Fais ton lèche-botte, frère. Bah ouais, voilà, j'en étais sûr. J'ai pas été chercher l'autre. Putain, je m'étais trompé, quoi. Une carte très grise. Chier, j'aurais dû aller l'inculper. Je crois que j'ai fait la même erreur hein, sur PS3 en vue. Phelps, Bukowski. B-Cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Ah ouais, t'es d'accord. I swear, the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Ouais, t'es pas une ch'ti, quoi. T'es une semi-ch'ti. Tu conduis. Il me dit quoi? Je suis sur TS après, je suis en appel. T'inquiète. T'inquiète ma poule. Parle bon à ta copine. They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? But Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Ça va être bien quand même le Nord. Chez les ch'tis. Petite baraque à frites et tout. Je connais que ça. Ouais, je connais pas. Terrible enough being murdered like that without having death strewn all over the front pages. Oh putain. Ouais, je connais la série Charmaine. Je les ai quand j'étais plus jeune. Je regardais que ça. J'adorais. Charmaine, Buffy, tout, tous les samedis soirs. Je sais pas si t'as connu la trilogie du samedi soir. T'avais Buffy, Charmaine et Angel. Et franchement, c'était un kiff. Maintenant je regarde plus, ça passe tout le temps les mêmes et franchement voilà quoi. Je crois que le son du jeu est fort. Ah, il est dans le jeu. Non. Trop bien. Mais je sais qu'il y a une chanteuse aussi sur le jeu. Je crois. Putain de biatch. Enough games, Phelps. Take this guy out. Allez là. Oh, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Gueule. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Les sirènes. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try.
I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. That. Ouais, bah... Tu dis je vais le reconnaître, mais ça c'est pas sûr, parce que alors, vraiment, pour reconnaître des gens, je suis un peu la galère totale, quoi. Oui, c'est une épicerie dans le nord, il caille, quoi. Ouais, mais vous avez de la neige par rapport à moi. Moi, il n'y a pas de neige chez moi. C'est rare quand il y en a. Looks like we'll have some questions for the people at Coombs Automotive. You have a criminal record, Mr. Harrison? No. Nothing like that. Dude. You better give us something, Cliff, or we're gonna make this hard on you. I didn't steal the car. I ran because I've got some wacky-backy in the glove compartment. How much, Cliff? One reefer. We'll let it slide. You're in enough trouble. Attarpé, mon pote. Véhicule chien évolué. You purchased this car from Coombs Automotive Company. Yeah, that's right. Déjà fabriqué le papier. Papers? From the same place. This is a forgery. It's top notch. This will need to be traced. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Coombs. He made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Nickel. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me! I'm getting arrested by a goddamn car! Ah ouais, je te crois. Ah ouais, regarde. Non, nous là, cette semaine, c'était un beau petit soleil, 11 degrés. Moyen de faire un petit barbecue dehors et tout. De te balader tranquille en petit pull. Mais là, ce week-end, c'est tant de merde, c'est que de la pluie. Après, j'aimerais bien qu'il y ait de la neige, quoi. J'ai envie de faire du snowboard, de la luge. Parce que ici, quand il y a la neige, t'as pas assez pour faire du ski. De la luge, c'est déjà pas mal. Ah, et la poubelle. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually, they're called politicians. Je les fonce contre le poteau. Century sedan that would be absolutely perfect for you. Tais-toi, je te mets une patate. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. T'es, il ressemble à un acteur, lui. Black and white boys? Mr. Coombs, we're investigating. Putain. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say. Eh hey, mais regarde, tu dis la misère, tu trouves un putain de manteau trop stylé. Une écharpe assez stylée, un petit bonnet tendance. Bon, des gants, je suis pas trop gants. T'as le style, hein, c'est bon. Petite doudoune red skin, tu vois, ou petite veste longue assez chaude, un petit bonnet pompon, tu vois. Bon, écharpe, écharpe, je peux pas dire, je connais rien. Et puis c'est bon, t'es stylé. Here it is. Got the original pink slip there too.
Gene Archer, 146 North Fremont Avenue. D'avoir chaud le... Je sais que t'as envie d'avoir chaud, mais c'est bien d'avoir des beaux trucs. Je sais pas si tu me comprends, tu vois. Tu vas pas mettre une vieille veste pour homme et tout, tu vois. Après, je dis rien contre, hein. Il y en a qui ont pas les moyens, je les comprends. Et franchement, je suis désolé pour eux, hein. J'ai connu ça. Mais quand tu peux te permettre, on va dire, d'acheter des beaux petits trucs, bah, je préfère prendre un beau petit truc. Même si j'ai froid après, c'est pas grave. Au moins, je sais que je suis bien, tu vois. Moi, entre regards, on pourrait dire putain, comment il est trop stylé ce mec et tout. Tu vois. Je sais, c'est bizarre, mais c'est moi. Harrison's purchase receipt was legit, at least. We have a couple of questions. All right, so petit calepin. Allez, c'est parti. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Ouais, j'ai une idée. Says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Ouais, voilà. Moi, je sais que je peux de temps en temps me permettre de prendre des trucs bien, tu vois. Alors je les prends. Après je suis pas un mec qui s'habille en marque, hein. Franchement ça je m'en tape, mais quand je peux me permettre de prendre un petit jean assez bien, je le prends, tu vois, par exemple. Je sais que des fois je vais à 3, je sais pas si tu connais 3, c'est où il y a les centres grands, les usines de marque. Quand je vais là-haut, bah voilà quoi. Je vais pas prendre des fringues chez Kiabi, on va dire, là. Je puisse prendre des fringues chez G-Star, Lacoste, Ralph Lauren, tout tralala quoi. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right. Là-haut, franchement, quand j'y suis allé les deux fois où j'y suis allé, je suis ressorti avec des fringues que j'achète, admettons, dans ma région, ça me reviendrait à je sais pas combien de millions, au moins 1000 euros, au moins. I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Je sais pas où c'est ce dent. Je suis nul en géographie, alors je vois pas du tout c'est ce dont par rapport à 3, j'ai... Ouais, franchement, j'adore ce magasin, c'est 3, quoi. Je suis allé deux fois, là je vais retourner cette année. Je verrai si, ouais, vraiment, je verrai si j'y retourne cette année, parce que la dernière fois que je suis allé, c'est au mois de... d'octobre. Alors, voilà, mais... J'y vais retourner, c'est chiant. Les fringues là-haut, c'est... J'en peux plus, c'est impressionnant quoi. Je kiffe y aller. Il se fout de ma gueule, en petit bâtard. I'm in used cars, son. Not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Je me suis trompé. Ah si. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. Fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Coach. Ouais, bah oui, parce que j'ai connu quand c'est pas après, je vais pas raconter toute ma vie, tu vois. Mais j'ai connu être les gens qui galèrent, tu vois. J'ai connu ça, j'ai connu les moqueries aussi, tu vois. Alors après, je comprends les gens qui peuvent pas se permettre et je les juge pas, tu vois. Je me dis que c'est pas de leur faute. Plus tard, un jour, ils vont impressionner ceux qui les ont jugés,
quand ils vont les revoir, ils vont faire putain, mec, ce gars-là c'était un tocard et maintenant on regarde qu'est-ce qu'il est devenu. Il travaille, il s'habille bien, il a une maison et tout, tu vois. Et eux ils ont peut-être rien, tu vois. Alors je me dis que faut pas juger, personne ne sert à rien. C'est dans les Ardennes. Ah oui, d'accord, je vois où c'est les Ardennes, là c'est bon. James Belasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. J'adore le système de boîte là, police et tout. C'est trop stylé si ça existe encore. Eh mec, je conduis pas. Hein. C'est fini. Olé. Conduis, salope. Marc Penin, commissariat central. Oh merde, on me spawn. Je vais conduire pour cette fois. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, huh? Je pense que c'est des connards là. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. INS officer needs help, 333 South Main Street. 333 South Main Street, officer needs help, 211 the shots fired. Unit to handle code 3 identified. Allez, payer des frais pour la casse. Oh merde. Allez, on se pousse. J'ai ma tante. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get it through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Quoi, lui, il a pas un revolver? Je voudrais un revolver. Let's go. Run back. Ouais, je l'avais fait cette mission, je l'avais fait. Non. Oh, bitch. Ok. Stay down. Let's move forward. Stay in cover. Oh, je vais mourir. Allez, monte ta tête, je te dis. Oh, je me suis fait trop mal. D'accord. Ah ouais, bah oui, je connais les Ardennes. Ma belle-mère, elle a ses enfants là-haut. Et je vais demain. Alors, faut pas te coucher tard, alors. Allez, monte ta main. Bim. Mais Kirchhoff, non, voilà. J'avais une balle. Ouais, j'avais fait cette mission là. La mission que je fais. Et je crois celle d'après. Et après, j'avais plus le jeu. C'est code 4 maintenant, mais le suspect est down. J'ai besoin d'une ambulance ici. Et notifie mon superviseur et le coroner. Kevin K,
supervisor will be notified. All units 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street, Gold Jewelry and Loan. Allez, 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 allez. Ah ouais, 5h. Oh, c'est l'heure que je me lève. C'est l'heure que je commence le travail, moi, d'habitude, la semaine. Ouais, c'est sympa, merci. Mais couche-toi pas trop tard, parce que sinon, le réveil, ça va être assez dur. Hein. Surtout un samedi, quoi. Samedi, en principe, c'est grasse mat. Tu te lèves à 10h, tu vois, 9h. Tu prends ton petit déj tranquille. Et moi, le week-end, c'est mollo, tu vois. Pas trop me faire chier et tout. Et après, normalement, il y a un pote à moi qui va venir. On va peut-être changer de jeu. Après, c'est si tu vas aimer, on va jouer à LOL. League of Legends, si tu veux voir. Mais à quelle heure il vient? Il est au téléphone avec sa copine là, alors. Il est pas encore là. Il m'a dit quelle salle. Vas-y, toi, tu sais où c'est. Bon, ça doit être celle-là. Putain, impeccable. James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. You got a stakeout down on second later tonight. James Belasco, nanana, modèle Chevrolet, patati patata. C'est long ça, putain. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Does the name Gene Archer mean anything to you? No. Nope. Bah si demain t'arrives pas à te lever, tu diras pas que c'est de ma faute. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Gene Archer. Oh sa mère. Taking the car, James. Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Il regarde sur le côté et tout. Il doit se tirer un truc. Something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. The cars get sold in Chicago or back east. J'avais toujours. Ah non. Moi, si le lendemain je dois me lever, je me couche pas trop tard. Bon, là en ce moment, je suis pas. Voilà. Je me couche assez tard, mais j'arrive à me lever. Toujours. Dès qu'il sonne le réveil, paf, tout. Je suis debout direct. Mais après, au boulot, je suis. Je suis un peu dans les vapes. Mais de toute façon, une femme, ça remet toujours la faute sur quelqu'un. De toute façon, ça c'est. Parce que oui, j'ai vu que t'étais une fille. Parce que sinon, je dirais pas une fille. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll make a man of your word, and so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look. Can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California.
the Marquee Printing Company. They've confirmed. Salut, the numbers are legitimate. Ça va? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall. Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Non, je généralise pas. We'll get down there as soon as we can. Ça va, Matalu? Allez, c'est parti. C'est où la sortie déjà? Ah, c'est juste là en plus. Your GTA suspect Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Ok, ok. Merde, c'est quoi cette voiture? Bah, tranquille, tu vois la forme. Petit live tranquille, posé. Oui, oui, je me magne. Bon, je sais pas à quelle heure il en est, la petite salope là. LAPD, we'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look. Just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. J'aime bien, elle a le corps un peu costaud et les bras tout fins. I could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Petite coquine. Stefan, call for Black. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Jean Archer. Putain, voilà les noms quoi. Yeux bleus, 25. Bon. Okay. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Mais c'est trop bizarre son physique, ouais. Ah, dis la vérité. Calm down, Jean. Just tell me why you sold the car. You're sweet. You really are. Just get the fuck out of my way. Oh. Oh, je me suis trompé. Putain. Oh là là. Je suis trompé, hein. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Qui est James Belasco? Mensonge. Je le trouve un peu. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I... Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Attends. Non. 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 Je sais pas si je mets ça ou pas. Reçu. Vas-y, on va mettre ça. Oh, je me suis trompé quoi, putain. Putain, 0/2 quoi. Oh, ça me vénère. Je vais perdre des points. Fais chier. Vas-y, tu vas conduire. Can you drive to this one? Do we know where we're going? Vas-y, on va aller là. Friendly girl, used to getting her own way. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. Bah ouais, you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah, the man is human after all. J'ai envie de me faire un café. Yep. J'ai faim de descendre en bas, quoi. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead.
draw the line at Greg. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a food market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Colique. What do you mean? Messenger. C'est, je sais pas, mais t'inquiète. Ok, biche. Ok, ma poule. Empty. Should have known that Archer Broad would have given us a false address. Ah, le salopard. Fausse adresse. Ok. Lieu. Pring. Ça va, biche. En fait, je sais même pas si j'ai fait déjà cette enquête. Ça me dit rien. Can I do for you, gentlemen? Hey, PD. I'm a traffic detective from Central. Who's in charge here? I am, Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. I've done for some years. Tout le temps, toi, Messenger. Non, bah, non, c'est parce qu'en fait, j'ai un pote, mon pote, il habite en Belgique, et je peux pas lui parler par message. Alors, on se parle sur Messenger. Have you ruled out forgery? Des fois on se dit rien, on se dit juste, ferme ta gueule, tu vois, on se parle un peu, tu vois, on se parle comme ça, nous, on est comme ça, entre nous. Ouais. Ah ouais, d'accord. Vous m'envoyez quoi? Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Bon, petit papy, tu vas pas me la mettre à l'envers. Lightball, you don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Non, je suis pas super loin. Bah ouais, je sais que vous t'es pas super loin de la Belgique normalement. Ça qui est bien. Mais là, en plus, je vais bientôt aller le voir et tout. Mr. Lightball, we're currently working two auto thefts. Je vois mon petit belge. Et là, je sais que là-haut, il y a des bonnes petites bières. Bonnes petites frites, moi, après, c'est hein. Et du bon petit chocolat. J'ai tout me faire ça. Là. Des bonnes pintes et tout. Doute. We have suspects of legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Merci, chef. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Je sais pas, j'ai envie d'utiliser un truc. Ouais, j'en étais sûr. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good. Belgique. Bah franchement, ça doit être super la Belgique, quoi. Et mon pote, il habite à Mons. Oui, c'est à Mons. Moi, je suis pas trop blonde. Moi, je suis plus un mi-fraise, tu vois. Mi-fraise ou comme je suis portugais, une super boca à tango. Je me doute que tu parles de bière. À part si tu parles de filles, hein. Après c'est ton choix et tu fais ce que tu veux. Non, moi je préfère ouais une bonne un demi fraise, ça j'adore. J'aime bien, après comme j'ai dit, je suis portugais, la super bob tango, mais bon, j'aime pas trop celle qui est là,
Parce que c'est pas avec la groseille, la vraie groseille et tout, c'est pas servi pareil. Mais sinon, je suis plus, je suis ça. Et sinon, j'aime bien aussi la Desperado Red. Mais tu fermes ta bouche, toi? You're behind the wheel. All right. Where to? On va aller là vite fait. Ah merde, bah d'accord. J'aime les bras sinon. Where now? Il se met. Ah d'accord, faut aller là encore. Mais j'ai pas fini. J'aime les bras sinon. Ah, je suis brun, notre. Well, I trust you've got all that you need. Je dois faire quoi maintenant, wesh? Ah, faut peut-être fouiller. Bah y'a rien à fouiller, wesh. Bouge. Come on, Cole, leave him alone. Je vais la steak. Ouais, bah je sais pas, y'a rien à faire ici. You know the way, you can drive. So where you want to go? Ah ouais, destiné. Faut que j'appelle alors pour savoir où les streets là. Un téléphone, téléphone, téléphone. Il a bien avoir un téléphone. Oui. Je dois faire quoi? Je suis perdu. Un téléphone. Téléphone. Là. Pourquoi il court ralenti le petit con? Oh, ça m'énerve. Enquêter chez Marc Pristine. Enquêter chez Marc Pristine. Ta bouche, toi. Bah, c'est la Marc Pristine. Je suis perdu, je sais pas ce qu'il faut faire. Ça s'ouvre, ça? Non, ça s'ouvre pas. Là, ça s'ouvre. Well, I trust you've got all that you need. Ok. Il m'a tout dit. Il y a un truc là. C'est obligé. On va aller voir derrière. Qu'est-ce que t'as, toi, Bielge? Ok, bah y'a rien. C'est juste ça, son usine, il se fout de ma gueule, wesh. Ouais, je vais vachement. Je vais y arriver. Je sais pas quand, mais je vais y arriver. Il y a une salle là, je l'ai vue. T'es sérieux, son truc, c'est que ça? Ah, bah d'accord. C'est juste à côté. Alors, c'est parti. Non.
certainly encourage repeat business, Lightbulb. This Mr. Bigelow is a good customer. Okay. Sorry to bother you. We'll let you know if there are any developments. Ah, bah c'est bon, j'ai l'adresse. D'accord. Y'a toxique, tranquille. Ton meilleur modo. Bah, de toute façon, y'a que toi comme modo toxique, alors c'est normal que tu sois le meilleur, mec. You can drive. Do we know where we're going? Ça va, sinon. Et ton poignet ou ton bras, je sais plus ce que tu t'es pété. Ça va mieux. Putain, j'ai envie d'un café, quoi. Oh, j'ai pas envie de descendre. Eh ben, PK. Et moi, je veux son revolver. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Eh, je suis un ancien commando, j'ai eu la Silver Star, man. Ouah, le carton, t'aurais pu le dégommer, hein. Oui, voilà, tout à fait. Faut se faire des compliments de temps en temps. Je m'en fais souvent. LAPD, all of you are coming downtown with me. Ouah, vas-y, me prends pas la tête, toi, avec ton pistolet. Oh, oh. Oh, du gunfight! Oh, du gunfight! Oh, je suis mort. Oh, je l'ai loupé. Oh, je t'ai vu. Eh, hey, mon chapeau, bâtard! Oh là là, je me fais ken! Je me fais ken tout ken! Putain, c'est nul la visée dans le jeu. Mange ta mère, toi! Oh, carrément! Oh, j'ai vu. Oh, il est ouf, lui. T'es où? Putain, j'ai ma veste, alors je galère en plus. J'ai hyper froid en plus. Vas-y, monte ta tête, monte ta tête, monte ta tête. Allez. Crie pas, biatch. Vite, cours, 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 Jackie. Cours, Jackie. Hop, c'est bon. Il est où, petite pute? Putain, pour un mec, je vide quasiment un chargeur. Oh là là. Ah si, je l'ai eu. Toi, je t'ai vu. Ah non, c'est mon coéquipier. Je veux la mitraillette. Je veux la mitraillette. Oh, fusil à pompe. Peu pompe, mec. Ah, on parle. J'ai des amis sur Snapchat. Hein. Ok, ok, biatch. Ok. Allez, dans tes dents. Il est même pas mort en plus. Allez. Oh la tête. Et c'est la porte du fond. Ok, Jackie. Boum. Quoi, quoi? C'est quoi ton blème? Surtout si personne peut te faire à ta place. Bah ouais, c'est ça. Flo me dit tout le temps, enfin presque. Nah, je dis pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps, toxique. Arrête, 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 arrête. You'll get nothing from me. Ah ouais? Vas-y, mets-lui une steak! Une steak! Petit calepin là. On sait quoi le snap que j'ai reçu? Pas de snap, Snapchat. Nanana. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais. Oh, il lui arrive quoi? Désolé les gens, je réponds. Désolé. Ok, et je veux le papier là. Là, ça, 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 ça. Vas-y, mange tes morts. Je vais quitter ma veste.
key printing company. There's nothing like going direct to the source. Je me sens plus léger. A betting slip. Looks like Mr. Lightfall has been on a losing streak. Mm-hmm. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. De quoi, c'est bon pour une fois. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of Bulge. I can't give you anything. T'inquiète pas, Toxic. Merci d'être passé. Hein. Fait toujours plaisir de te voir. À la prochaine. Passe une bonne soirée. Dors bien. Fafa, toi pas trop. Non mais je rigole. Bien sûr, je rigole. Je suis pas comme ça, tu vois. T'es jeune en plus. Hein. Ouais, dimanche je serai là. Normalement demain aussi. Voir si j'ai des choses de prévues. Ah ok. Bah c'est normal. Je dois jouer. Je vais pas m'amuser. Okay, tough guy, I get the message. Lightfall. The guy wants my key. Hey, j'ai trop envie d'un café, quoi. J'ai personne pour aller me faire. Hein. Lightfall. The guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. C'est Toxic qui me follow. Le mec, il était déjà follow. Welcome to family. Non, je sais pas le faire. So if I go over there and check his jacket, your story's gonna ring true. I'm warning you, Bigelow. Give it a try, Flatfoot. For some reason, none of my guys like to bring ID to work. Hey, Toxic, si t'es là dimanche, normalement, si tout va bien, j'aurai une caméra. Bah, une cam. Pourquoi une caméra? J'en ai une quelque part, mais je sais pas si elle fonctionne. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Après, faut-tu? On va voir ma toté. Je vais mettre un bonnet parce que je vais pas être coiffé. Ça saoule le code merde. Je me doute toxique. Ah ouais merde, il me parle sur Steam. Ouais. Je me doute bien mec. Ouais. Faut pas être trop content parce que voilà la tête que j'ai quoi. Je vais mettre un petit bonnet. Un petit bonnet que j'ai acheté à Walt Disney. Et trop swaggy en plus. Mon petit tigrou. This town is going straight to hell. Ah ouais, c'est parce qu'il y a eu les machins. I heard this is a triple homicide. Eh, connu biatch. You drive. I need to go over the case notes. What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. I wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with them. We didn't have a lot of choice. You have to admire the bare-faced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. Désolé, c'est que on parle sur Steam aussi. Ma Toxic me parle sur Steam. Who knows how long they could have kept this racket going? Complacency or greed? La voiture là. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il y ait des robots qui existent quoi. Attends, je l'appellerai, je ferai. Hey, fais-moi un café. Tiens, il va me faire un café, il me l'apporte. Non, je me dévalorise pas. Faut vraiment mettre une cafetière ici. Je tiens plus moi, il me faut un café. You're under arrest. You again?
This harassment is starting to wear thin. Vas-y, Toxic, je te répondrai tout à l'heure. Full of hot cars. You signed for them, Lightbulb. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Oh putain. Désolé. Your money and influence will be worthless in San Quentin. If you don't go crazy in the first couple of months, then you'll probably get knifed in the chow line. Is that what you want? Save it for the suckers, detective. You'll get nothing from me. Gordon Lightball, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Putain, j'aurais dû mettre mensonge, nique ça. Montrer une preuve, putain. Tu penses trop tard en fait, Autry. Now where shall I start? With the two GTA suspects we had to let walk free? Or with a female suspect who, I am reliably told, slipped the leash with embarrassing ease? You just lost the chance to grab one of the biggest criminal operations in this city. How do you think that makes me look? The chief has my balls in a frying pan! Et alors? Now get out there and fill some charge sheets. Misdemeanors if you have to. No! Get me something before I even think about giving you another case. J'ai pas fait exprès, wesh. Nerve-toi pas comme ça, je vais te mettre une tatane. Soit je sais pas quoi, je t'en casse contre le mur, toi. Face de chien. Nique ta race. Je m'énerve auprès d'un jeu, quoi. Mauvaise impression. Ah, quel jeu de mots. Quoi? Putain, j'ai trop merdé à la faire, quoi. Ah, ça m'est vénère, quoi, pareil. Pourquoi il montre ça aussi? Je m'en fous qu'il était militaire, je sais pas quoi, là, qu'il a fait l'Irak ou l'Afghanistan, je sais pas. We used to have two ships a week to Tokyo. We've been in shipping for two generations, Hank. I've never been on a voyage. Ouais, je sais, mais si je m'énerve trop vite. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate in 48. That's four more hard years of fighting. Je vois pas, ça mène à quoi son histoire de militaire, quoi. Tomber dans le panneau. Ah voilà, c'est cette affaire là que je m'étais arrêté. La meuf elle est morte. Phelps, Bukowski, you have a new case. Two women, possible drink drive. How was that a case? Broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. I say we bust. Non, en fait, il me kiffe. Il me redonne une affaire. See you later, fellas. Try not to work too hard. Vas-y, je vais changer de costume. C'est où déjà? Non. Non. I'm just trying to fit in. Oh, fuck. Educated, hard working, straight as an arrow. I hate to break to your call, but you'll never fit in. That bum took a swipe at me, I put him down with my staff. De quoi, je suis nul? You know the way. Je suis nul. Ok. Et où quoéquipier là?
Voilà. Her face looks familiar. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, Beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Lui, c'est un acteur, lui. This is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard. Ouais, elle est sympa. Non mais je retiens, t'as dit que j'étais nul, sur... je te réponds plus. C'est fini. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Non, c'est pas cette affaire, c'en est une autre. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Ok, chef. What? Comment on descend? Il fait des photos ici, mais... Vas-y, on va lui parler vite fait. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions. Y'a un terreur. June Ballard, you might be familiar. Oh, on dirait qu'elle est. Can you tell us what happened here? You're kind of. Okay, man. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast. I don't like. Keep out of this. On dirait qu'elle fonce des. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claimed that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Oh, bah si quand t'es drogué, oui, tu te souviens. Who drugged you, Mrs. McAfee? You really are a cute detective. But a little too naive for my taste. Ah, super. V'là l'interrogateur. This is a big scene. Oh, c'était gentil quand même. Let's go see the corn. Angélique, quoi. On l'a jamais dit celle-là. Ta voix, Angélique. Si douce et raffinée. Non, là, j'ai peut-être un peu trop loin quand même. Je peux descendre là? Wow, fuck. Putain, si vous voulez. Comment ils ont fait pour descendre, monsieur? Ils ont volé. Ah non, c'est là. Non, c'est là. Allez, cours. Allez, cours. Petit footing. Allez, gros sac. Hutch. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the truck. And that isn't even the best part. Désolé, j'envoie un message. C'est pas ma faute, je suis tout le temps comme ça. Non, il y a des jours, j'en dis pas. Hein. Je dis pas tout le temps. Hein. C'est que un jeu, ça m'énerve assez vite. Tu vois. Ça me stresse. Elle est belle la bagnole en plus. Une petite culotte. Elle s'est fait violer. Je vole, petit oiseau. Petit oiseau. Allez, vole. Ok, c'est bon. T'es sacrément demandé, dis donc. Non, je suis pas trop demandé. C'est qu'une personne qui parle. J'ai pas beaucoup dormi, comme un... Emma et Molly. She's a long way
Il y a un truc sur la culotte, bien sûr. Ils avaient pas de style à l'époque quand même. Bah, pas de culotte style quoi. Des petites fleurs bleues. Et des petites pâquerettes. Des pâquerettes. La plaque. Bon, il doit y avoir autre chose quelque part. Mais ouf. C'est juste un peu. Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. Tête de vaudou. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Pardon. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian trunk and head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess. Then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Voilà. Trop stylé la tête, elle est swaggy, mec. J'aime bien. Je veux la même. We should speak to Ballard again. She might not be telling us the whole story. Allez, Jackie. Allez. Allez, la couille. Bon, là, faut pas que je me trompe. Faut vraiment que je... Je peux le faire, Flo. Fight, go. Allez, c'est parti. What can you tell us about the passenger in your car? Pas de soucis, Mimi, pas de soucis. Bah, vu que tu te lèves tôt, on va mettre coucher et tout. Bon, il est pas trop tard, mais vaut mieux. Yo, MX, ça va? Attends, deux secondes. Allô? Ouais. T'entends pas beaucoup. Tu m'entends pas? How old is Jessica, voilà, Mrs. Ballard? Ah. Say how old Jessica is. Old enough, sweetheart. Ça va? Ouais, nickel, nickel, et toi? Ah putain, je me suis trompé quoi. Ouais, nickel. J'ai dormi comme une pute tout à l'heure. Je me suis endormi. Je m'étais mis devant la télé à 4h. Et d'un coup, ça fait. J'ai dormi jusqu'à 9h. J'ai fait, oh putain, il se passe quoi là? Attends, je vais utiliser l'intuition. Doute. It's obviously some kind of movie. On fera un LOL. You must know where it came from. Ouais, tout à l'heure. Parce que là. Non, mais t'inquiète. Prends ton temps. Il y a un pote qui va me rappeler. Ah, il y a un pote. C'est pas ta copine qui va t'appeler? Elle m'a appelé et après ça va être un pote. Il y a un homme débordé en ce moment. Ah, ton journal est rempli quoi. Je comprends. T'as un agenda chargé. Ouais, c'est ça, c'est chaud quoi. Ou sinon t'acceptes les deux, tu sais, tu mets. Attends, je te mets en attente 2 minutes. Ouais quoi, 6 minutes. Je l'avais fait une fois avec Johan et tout, mais c'était. Jamais fait moi mettre en attente quelqu'un. D'habitude, je regarde c'est qui, je suis ouais, bah je rappellerai tout à l'heure. Ou je rappelle jamais en fait. Ouais, moi aussi, parce qu'on peut pas en mettre en attente sur mes téléphones. Jamais plus. On peut pas sur les HTC?
Mrs. McAfee. Je sais pas. Ah ouais. Jamais eu double appel. Oh, on n'a pas assez d'amis pour en avoir en fait. C'est le gars. C'est exactement ça. On n'a pas assez de potes pour avoir un double appel. On the grounds that you were under the influence of narcotics and that you are withholding information from the police. My husband is going to want a word with you, Sonny Jim. I think we're good here. Alors, du moment qu'on a au moins un pote. Oh, oui. Des fois, un seul ça suffit. Pas besoin de plus. Bien sûr. Exactement. Bon, alors. Moi, j'ai mon pote au flow, voilà. C'est bon. Ouais, voilà. Voilà, moi j'ai mix, ça suffit quoi. C'est... Yohan, il va arriver, il va dire oh, quelle bande de pute. Yohan, je sais pas, il est pas là. Non, il est pas co, Yohan. En plus. Ah, il se connecte de moins en moins, à mon avis, que le but madame. Bah, non, mais tu sais, il a sa gamine aussi, hein. Ouais. Ça a fait, hein. Ouais. Mec, je vais peut-être pas me connecter de mercredi jusqu'à dimanche. Ah ouais, à ce point-là? Pourquoi, t'es où? Ah, à la mer. T'es à la mer? Ah, sale pute. De ce temps-là, à la mer. De ce temps-là, à la mer. Tu vas faire quoi, à la mer, de ce temps-là? Tu vas faire du surfboard? Surf quoi? Attends. Bon allez, j'y vais, passe une bonne soirée, tu vas pas ce qu'il en cache. Bonne soirée Mimi, dors bien. Bon séjour, bon week-end dans ta ville de naissance. Et bah dimanche, tu vas... toi aussi tu vas me manquer, t'inquiète. Allez, à plus, bonne soirée, dors bien. Ouais, tu disais Mix. Tu m'as dit quoi? Du surf, pas. Tu vas faire du surf, surf ball, je sais pas comment on dit. Here to interview with Jessica Hamill. Pas de surf, moi. Alors pourquoi tu vas à la mer de ce temps-là, mec? Il fait hyper froid. Trop facile du surf pour moi. Non, mais mec, tu vas mettre un pied dans l'eau, tu vas être gelé, il va retourner dans son coquillage. Non, on ira peut-être pas nager, je sais pas. Ouais, tu coupes. Avec qui? Avec ma copine. Ah, ça va pas nager. Non, t'inquiète. Non, on fera pas ça, t'inquiète. Oh, je déconne. Vous êtes trop jeune. Pas le faire. On compte pas le faire maintenant. Non, vous êtes trop jeune. Dit-il alors qu'à 14 ans, le mec avait déjà trempé le biscuit. Okay. Ouais, c'est rien. Ah, mais c'était, tu sais, c'est l'époque, les anciens, tu vois, on est comme ça. C'est... Ouais, genre... Voilà, tu vois. C'est... Ça se fait plus de nous. Je vais t'envoyer une vidéo sur... Sur Facebook? Ouais, pas la voir. Regarde, j'ai réussi à mettre mon clavier. J'ai réussi à faire ce que je voulais avec le clavier. Ouais, mais vas-y, mais fous-moi pas le seum avec ton clavier, là, ton Black Widow, là. On voit pas au top, mais... Voilà. J'aurais dû le faire avec le téléphone, le truc, en fait. Putain, je peux arrêter. Ouais, j'ai arrêté en moi. Ouais, on voit pas au top, mais... You're lying, Jessica. Ouais, on voit pas. How are we gonna make this right if you lie to us? Please, detective. Ça devrait être bon, je pense. Je vais juste mettre un peu le temps. Genre mon clavier il est allumé d'une certaine manière. Ouais. Quand j'appuie sur une touche, les touches elles réagissent. Now, do you want to tell me what really happened? Il fait que ça fait une ondulation, c'est super. I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves and then I felt. Ça doit être trop classe sa mère. C'est trop classe sa mère, ouais. How did you meet Mr. Bishop? C'est parce que les appareils photo là, ils galèrent. Sinon je te montre. Ouais. T'as vu la photo avec le téléphone comment ça rend trop stylé? Ouais, j'ai vu. Tu fais des belles photos avec, hein. Ouais, j'avoue, c'est un truc de ouf. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment. On voit pas top. I overheard Junie speaking to him on the phone. Ouais, je regarde, attends. Screaming, really. She can be very hard sometimes. Ah merde, c'est une vidéo en plus. But they seemed okay yesterday, ouais, like they worked it out. I know what happened to you, Jessica. On voit pas bien, where exactly did it take place? Please, it's
scary. It's really difficult to think of anything. Faut que je monte la culotte. God damn it, tell the truth, Jessica. Et quoi? Non, c'est dans le truc. The truth. I don't know where the place is. I barely know this city. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Oh oui, attends, j'ai donné envie de merde. Putain, ça fait trop stylé, sa race. Regarde, je vais t'en renvoyer une. J'ai réussi à calibrer l'iPad. I think you should leave now. You're being horrible to me. Ah merde, c'était pas ça. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. Donc là, c'est... You think of anything or if you need je peux même changer la couleur et tout de... Ok. De l'ondulation. Moi je vais essayer de m'équiper tout pareil. Peut-être prendre un clavier Razer par Razer mais rat. Et mon casque, je garde mon Triton parce qu'il est vraiment bien mais comme ça j'aurai un clavier pour mon autre PC. Comme ça quand quelqu'un vient, bah, je peux lui prêter le PC. Ouais. Oh, ça fait trop stylé sa mère. C'est trop stylé. T'es vraiment une petite pute. Attends, ah ouais, faut que je t'envoie une photo aussi, enfin une vidéo. Je vais la faire avec le téléphone, ça ira plus vite. Lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. There she goes. Come on. Voilà. Pas badé. Je me suis fait un profil aussi pour League of Legends. Comment ça? Alors il y a que le Z, le Q, le S et le D. Okay. Non, Ballard is definitely up to something. Pas badé à mort. Là, c'est tapé une érection. Quand je regarde après, je suis en train de faire une filature. T'inquiète. T'as vu le jeu gratuit Non. C'est quoi? NBA 2K15. Hop, oh, je l'ai sur. Oh, ça fait trop swaggy. Bah ouais, faut le télécharger parce que voilà comment il doit être long. Bah 40 gigas quoi. Ah ouais, moi je l'ai sur PS3. Ouais. Ah mec, c'est tellement stylé quoi. Mais c'est sympa ton clavier maintenant. Get in there and see what she's up to. Ça fait pas longtemps qu'on peut le faire ça. Parce qu'ils ont fait une mise à jour. Mais je comprenais pas la mise à jour. Alors du coup il y a 4-5 heures je me suis dit bon allez je m'y mets. On peut vraiment faire des trucs pas mal. Parce que maintenant on peut couper plus. On peut coupler pardon, plusieurs effets. Alors genre je peux mettre un effet d'ondulation avec un effet de réaction et tout ça. C'est vraiment c'est pas mal. Ouais bah ouais ça doit être intéressant. Ah bah ouais. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. J'adore. Tellement stylé quand t'écris mec. Bah ouais avec toutes les couleurs ouais c'est sympa. Je suis en train de retélécharger Dying Light. Ah si tu l'avais vu? Oui je l'avais mais il y avait un souci avec la merde. Qu'est-ce que tu vas m'offrir pour mon anniversaire? T'as dit que t'avais trouvé. Bah un jeu que tu voulais. Sure, I got the film. Ah ouais, genre. Je te dis pas, mec. T'es con?